Je vais commencer par prendre la parole. Antonio Pereira. Alors, je ne suis pas brésilien. On aurait pu le croire, Antonio. On peut le croire. Je ne suis pas non plus le fils de Nuno Pereira. Je suis simplement conseiller à la Chambre d'agriculture de Haute-Marne. Et je vais donc, avec l'aide de quelques agriculteurs, vous faire un retour d'expérience de ce qui se pratique sur notre département. Alors, nous sommes de la Haute-Marne. Reims n'est pas en Haute-Marne, c'est dans la Marne. Voilà. Un petit message aussi pour Alain. Après mon intervention, malheureusement, beaucoup d'entre vous seront déçus puisqu'il n'y aura pas de livre à distribuer. Nous sommes simplement au début de l'histoire. Nous sommes simplement en train d'écrire le livre. Moi, je vais vous en présenter la préface et les agriculteurs qui sont derrière moi vous présenteront les quelques premières lignes du premier chapitre. Tout d'abord, pour préciser un peu les choses, on vient de voir deux exposés très intéressants. On vient de voir deux exposés très intéressants de pays encore plus intéressants. Il faudrait quelqu'un pour nous mettre à l'écran la présentation, si vous en avez une. On a le même problème que tout à l'heure. C'est un problème international. Oui, ça ne concerne pas que la Haute-Marne et les chambres d'agriculture. Vous voulez marquer USB ? Avoir le son sans les images, ça va être un peu compliqué. C'est parti. Merci. Merci. Donc Haute-Marne, un département de polyculture élevage, au niveau des surfaces, vous avez sur ce premier graphique la répartition des cultures sur l'année 2016, puisque les chiffres officiellement connus, même si on est début 2019, on a les chiffres officiels sur l'année 2016. Vous voyez très bien que sur ce graphique, la diversité de cultures, elle est quand même très limitée. Il y a 48% des cultures qui sont occupées par des cultures d'hiver, colza, blé, orge d'hiver. Il y a 40% de la surface qui est occupée par des prairies, prairies permanentes, prairies temporaires, encore un peu quelques hectares de jachère, et il y a seulement 12% de la surface qui est occupée par des cultures de printemps. Et j'attire votre attention sur une culture, la surface ici en protéagineux, 373 hectares en 2016, quand l'année précédente on en comptait 7000. C'est une culture qui a pratiquement disparu du paysage. Donc quand on parle d'agriculture de conservation des sols, quand on parle de diversité de cultures, c'est des choses qui ne sont pas forcément simples à mettre en œuvre sur tout le territoire. On a des zones avec des contraintes bien particulières. Je développerai ça dans quelques instants. Quelques généralités encore sur le département. 180 000 habitants, c'est autant d'habitants que la ville de Reims. C'est certainement pour ça que vous avez mal localisé notre département. Une densité d'habitants de 29 habitants kilomètre carré. Donc l'air est pur en Haute-Marne. Au niveau du nombre d'exploitations, 1600 exploitations, dont 60% sous forme sociétaire. 187 hectares en moyenne par exploitation, on est loin des surfaces agricoles du Brésil. Une certaine dépendance au soutien agricole public, puisque la Haute-Marne, en moyenne, un agriculteur au Marnais émarge à hauteur de pratiquement 50 000 euros d'aide de soutien à l'agriculture. Un département qui, comme dans beaucoup d'autres régions, voit la surface en agriculture biologique se développer. Là encore, les données 2016, un des agriculteurs tout à l'heure pourra développer ce sujet. Pratiquement 9200 hectares en bio, dont plus de 3000 en conversion. Ça représentait en 2016 3% de la SAU. La Haute-Marne, il y a également encore quelques animaux qu'on élève, pratiquement 40 000 vaches laitières. 34 000 vaches allaitantes et 36 000 ovins. On n'a encore pas eu le temps de compter tous les vers de terre. On s'y attache. La technique fonctionne.
Voilà l'image, la majorité de nos sols sur le département. Je ne vous montrerai pas de photos de profil avec 3 mètres de terre. Nous, les sols profonds, c'est 35 à 40 cm de terre. Donc les vers de terre dans nos sols font vite l'aller-retour entre la roche-mère et la surface du sol. Vous avez également sous les images le potentiel de production pour les cultures majoritaires, que sont le blé ou le colza, sur le premier groupe de potentialité, qui est le groupe où on a le moins de terre, grosso modo une quinzaine de centimètres de terre. Comprenez aussi que dans notre département, le labour agronomique ne fonctionne pas, puisque quand on n'a pas plus de 20 cm de terre, on n'enfouit pas suffisamment les graines pour éviter leur germination. Le potentiel dans ce groupe de sol, c'est 45 quintaux de blé, et c'est entre 22 et 25 quintaux de colza. Quelques données rapides économiques. Vous avez là un extrait des comptes prévisionnels pour la campagne 2018. La moyenne des revenus pour un agriculteur au Marnais, c'est 160 euros de l'hectare. Alors une moyenne, c'est très agréable à mettre dans un tableau, à présenter, mais ça cache une très grande disparité. Le dernier quartile, le revenu est de 55 euros par hectare. Il est pour la première fois positif depuis 3 récoltes. Le premier quartile dégage un revenu de 310 euros. L'impact rendement ou l'impact prix, si on prend une variation de 10% de rendement ou de 10 euros la tonne, impacte le revenu à hauteur d'une quarantaine d'euros l'hectare. Une de mes fonctions à la Chambre d'agriculture de Haute-Marne, c'est d'animer, de suivre des groupes d'agriculteurs qu'on appelle dans notre jargon local des groupes innovants qui s'intéressent à l'agriculture de conservation des sols. Je suis venu devant vous aujourd'hui avec un tout petit échantillon d'agriculteurs faisons partie de ces deux groupes-là, des groupes d'une quinzaine d'agriculteurs à chaque fois qui exploitent, qui cultivent une surface de 3300 à 3600 hectares. Vous avez là à l'écran quelques exemples d'outils qu'on attelle derrière nos chevaux. Alors ce n'est pas des chevaux mécaniques, ce n'est pas des chevaux biologiques, c'est des chevaux mécaniques. Ça c'est pas... Pardon. Ça, ce n'est pas une photo chopée de matériel du Brésil, hein, c'est quelques machines qu'on voit sur le département. C'est aussi l'expression, le résultat d'un travail collectif, de regroupement d'agriculteurs qui se sont interrogés sur l'optimisation des charges de mécanisation. Vous avez là l'expression du partage de matériel, d'un investissement en commun dans une machine bien particulière. Pour terminer la conclusion de cette préface, les choses qu'on considère comme acquises à l'intérieur de ces groupes, c'est le semi-direct de couvert, couvert multi-espèces bien sûr, c'est le semi-direct de colza associé avec des plantes gélives comme ça a été évoqué ce matin, colza associé avec des légumineuses pérennes, colza associé avec à la fois des plantes de campagne gélives et des légumineuses pérennes, ça sera aussi développé par un des agriculteurs tout à l'heure. On regarde également un nouveau rôle que pourrait jouer l'agriculture envers le reste de la société, au travers de la fourniture d'énergie, un transfert d'énergie au champ à l'énergie urbaine. Je sous-entends par là l'activité de méthanisation, chose que je développerai également un peu plus tard. Et malheureusement, alors ça va peut-être casser un peu l'ambiance, mais l'agriculture de conservation des sols rencontre encore aujourd'hui de trop nombreux freins. J'en citerai quelques-uns, et le plus important à nos yeux, c'est le frein réglementaire. Vous savez qu'en France, je ne sais pas comment ça se passe au Brésil ou aux États-Unis ou en Tunisie, la réglementation a quand même un poids très conséquent. La réglementation, si on revient au domaine purement agricole, si on revient plus précisément au domaine agriculture et conservation des sols, la réglementation, ne serait-ce que sur la fertilisation azotée, nous contraint quelque peu. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Un polyculteur éleveur qui souhaite se lancer dans l'agriculture de conservation des sols a obligation d'enfouir
ces effluents d'élevage dans les 24 heures qui suivent l'épandage. Or, on sait très bien, nous le savons tous, quand on parle d'agriculture de conservation des sols, il est souvent fait allusion, un des premiers piliers de l'agriculture de conservation des sols, c'est la limitation du travail du sol. Deuxième exemple, toujours sur la fertilisation azotée, quand on nous dit que le deuxième pilier de l'agriculture de conservation des sols, c'est de développer des biomasses importantes, de développer des couverts végétaux importants, on ne fait pas pousser une plante sans azote. Aujourd'hui, la réglementation ne nous autorise pas à fertiliser de façon minérale les couverts végétaux. Et bien sûr, vous le savez tous, la réglementation phytosanitaire, je n'aurai pas le temps de développer ce sujet-là, même si ça fait la une pratiquement quotidienne sur les émissions, y compris à France Inter. Deuxième point qui nous gêne dans le développement de l'agriculture de conservation des sols, c'est les campagnols. Les campagnols, il n'y en a pas qu'à la campagne, il paraît qu'à Paris, ils sont un peu plus gros. Mais ce sont des petites bêtes qui peuvent nous obliger à avoir recours à du travail du sol. Enfin, les limaces encore, des animaux de la biodiversité des sols, qui peuvent aussi nous limiter dans la réussite des couverts, dans la réussite des colzas. Maintenant, je vais laisser la parole au premier agriculteur, un jeune agriculteur, qui va nous présenter les premières lignes du premier chapitre, Gaëtan Bouchot. Merci, Tanio. Alors, bonjour à tous. Donc, on va essayer de condenser tout ça. Ça ne va pas être facile. Alors, je me suis installé en 2013 sur l'exploitation familiale, une exploitation de 280 hectares, ce qui n'est pas négligeable. Donc, quand je me suis installé, évidemment, j'avais fait un prévisionnel sur 2011 et 2012, et ma première récolte, c'était 2013. Ben voilà, hein, c'est tout, je ne suis pas là pour pleurer non plus. Hein. Donc, comme je vous ai dit, c'était une exploitation familiale où il y avait encore les trois générations présentes, mon grand-père, mon père et moi-même. Donc, au vu de ce que faisait mon père, pour moi, il était impossible de continuer à presque 600 euros de charge opérationnelle à l'hectare et 380 euros de charge de mécanisation. Mais ce n'est pas uniquement ça qui m'a fait changer de méthode et vous montrer ce que je vais vous expliquer. Un petit historique de ce qui se passait avant. Donc, il y a eu 30 ans de labour, 10 ans de TCS à 20 cm, et en parallèle, 20 ans de paille brûlée et les 20 autres années, la paille exportée. Et la rotation colza blé orge. Bon, on fait avec. Hein. Je ne jette pas la pierre à mon papa. Hein. À l'époque, le sol n'était pas au centre de la préoccupation. Surtout qu'il te regarde sur YouTube à cette heure-ci. Hein. Attention. En plus. Mais surtout, je le remercie. Parce que pour revenir sur le climat environnemental familial, il m'accompagne et il m'aide dans cette démarche. Et ça, c'est vraiment important. Parce que le premier frein à cette méthode, c'est l'agriculteur lui-même. Alors, ce qui m'a poussé à aller dans cette démarche-là, c'est surtout la chute des rendements sur l'exploitation. Il y a certaines parcelles, une tonne de blé hectare en moins. Vous avez vu la moyenne des rendements, il ne reste pas grand-chose. Et après analyse des sols, il a fallu que je fasse un point, moins d'1% de matière organique dans certaines parcelles. Là, je me suis dit, il faut arrêter de nourrir les plantes, il faut vraiment nourrir le sol. Donc c'est en 2010, j'étais déjà salarié sur l'exploitation, qu'on a commencé par des gros couverts. Et c'est là qu'est venue l'envie de voir vivre mes sols. La première des choses qu'on a essayé, c'était les colzas associés, donc avec de la luzerne, avec de la févrole. J'étais en TCS léger. Et là, j'ai compris qu'il fallait que j'aille plus loin, que je ne pouvais pas mixer les deux, combiner les deux méthodes. Il fallait vraiment que je m'engage dans une méthode et que j'y aille jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, l'exploitation, elle représente 380 hectares. Tout est en semis direct sous couvert. Gélif et permanent, l'ensemble de l'exploitation. Les permanents, c'est lotier, trèfle blanc nain, trèfle violet. Surtout, ne me demandez pas la rotation, car j'en ai pas de fixe. Je l'adapte vraiment d'année en année, dû à un gros problème qu'on a par chez nous, ce sont les vulpins résistants à tout. Il y a une méthode quand même, une culture d'automne, deux cultures de printemps,
on nettoie quand même pas mal. Donc les cultures sur l'exploitation, colza, maïs, tournesol, blé, orge d'hiver, orge de printemps, soja. Je vais vous présenter un exemple de quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, que plusieurs agriculteurs pratiquent. Donc derrière les orges de printemps, j'ai tendance à semer les colzas, ce qu'on appelle chez nous les semer au cul de la moissonneuse batteuse. C'est le 1er août, c'est le 1er août, c'est le 20 juillet, c'est le 20 juillet. Colza associé. Donc le détail du semis, 3 kg de colza, 3 lignées différentes, 1 kg de chaque. L'association, 5 kg de lentilles, 3 kg de sarrasin, 2 kg de trèfle blanc nain, 1 kg de trèfle violet, 1 kg de lotier, 1 kg de lin, 0,5 kg de tournesol et 60 kg de févrole. Chapeau pour les traductrices. Évidemment, à l'automne là-dessus, aucun antidicote et aucun insecticide d'automne. Vous allez me demander pourquoi avoir semé aussitôt. Il vous reste 5 minutes à peine. Sur l'ensemble ? On n'avait pas 30 ? Ah bon. Alors, le semis de bonheur, oui. Il est jeune et il est bavard, hein. Excusez-le. Voilà. C'est ça. Alors, le semis de bonheur permet un bon développement du pivot pour le rendement, mais aussi d'avoir un gros pied pour résister aux charançons de septembre. Et puis sinon, d'autres choses mises en place, comme le pâtirage des brebis, et puis plein de choses. Mais je voudrais juste faire un petit point vite fait. Il y a une chose qui est importante, c'est le climat social qu'on rencontre dans cette méthode-là entre les agriculteurs, les techniciens et les chercheurs. C'est vraiment basé sur l'échange, le partage et les retours d'expérience. Et là, c'est l'agriculture de conservation. Je pense que c'est l'avenir du sol, mais aussi l'avenir des agriculteurs. Et ce colloque en est un bel exemple. Merci Gaëtan. Alors Damien, jeune agriculteur également dans l'agriculture de conservation des sols, tu as 0 minute. Bonjour à tous. Donc on va faire succinct. Donc je suis installé en société avec mon frère, plus un salarié, en polyculture élevage. L'exploitation a toujours eu de l'élevage, donc 385 hectares. Deux tiers des sols sont ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire des sols très très superficiels, et il y a un tout petit peu de vallée, quelques limons. Ça fait 5 années qu'on est en semis direct, avec une bonne partie en couvert permanent, qui sont de la luzerne principalement, mais aussi trèfle violet, trèfle blanc nain, et un petit peu de lotier dans certaines parcelles extrêmement superficielles. Les cultures sur l'exploitation sont blé, orge, colza classique. Il y a du maïs en silage pour les animaux ou grains suivant les années. Il y a un tout petit peu de soja dans les vallées, mais il y a aussi du métail qui sert pour les animaux ou pour nourrir le sol. C'est en fonction des besoins. Alors moi, j'ai hérité d'un sol un peu plus riche que mes collègues, puisque mon père n'a jamais brûlé de paille et il a toujours mis beaucoup de fumier. Donc je suis à 8% de matière organique, malgré le labour, en démarrant le semis direct. Ça s'explique par des sols extrêmement superficiels. Donc les couverts permanents sont implantés grâce aux colzas associés. Donc je ne vais pas revenir, on a parlé assez des colzas associés. Le but des couverts permanents, c'est principalement de pouvoir nourrir les animaux au cas où il y ait une mauvaise récolte de fourrage. C'est un petit peu un joker pour l'élevage. Dans le cas où il n'y a pas besoin, donc ça va nourrir le sol. Et dans le cas extrême, comme cette année, une sécheresse extrême, il n'y avait aucune production de biomasse, puisqu'il n'y a pas eu du tout d'eau de juillet, août, septembre. Et les couverts permanents n'ont pas fait de biomasse, mais ont séché, et j'ai fait une récolte de graines. J'ai récolté 2 tonnes et quelques de trèfle, et 2,8 tonnes de luzerne. Voilà. Après, autour des colzas associés, il y avait un apiculteur amateur. Il a récolté 130 kg de miel. C'est pas désagréable sur les tartines. Voilà. La priorité d'exploitation, sol extrêmement superficiel, donc minimiser les charges. Donc le matériel, on a beau être en semis direct, c'est toujours un semoir classique conventionnel. On l'a bricolé un petit peu, mais pas d'investissement. En cas de problème, c'est les gens de la CUMA qui viennent me donner un coup de main, ou j'emprunte le matériel. Voilà. Donc plus économique possible, donc charge opérationnelle aux environs de 200 euros hectare, donc réduction de phyto au maximum. Et voilà. Donc le dernier levier sur l'exploitation en train de se mettre en place, c'est une unité de méthanisation qui est en construction.
Donc le but, hein, c'est, en cas de souci de désherbage, c'est la faucheuse qui va les désherber. On ne va pas s'énerver avec la chimie. La chimie, on l'utilise, mais modérément. Et quand on voit que ce n'est pas possible, on ne s'énerve pas. C'est la faucheuse et c'est le méthaniseur qui va valoriser ça. L'objectif aussi, c'est d'utiliser tous les fumiers de l'élevage. Il y a à peu près 4000 tonnes de fumier qui sort, 4 à 5000 tonnes de fumier qui sort de l'élevage. Et l'unité de méthanisation, elle est couplée à un process d'évapoconcentration qui va me produire un digestat solide, enfin, qui correspond à un compost, voilà. Et puis une solution azotée à 15 unités d'azote, 15 unités de soufre. Et le but de la méta, c'est de sécuriser le revenu en situation difficile. Voilà. Quelques chiffres économiques, donc 220 euros de hectare de charge proportionnelle, mécanisation autour des 200 euros et un EBE au-dessus de la moyenne, puisqu'on arrive à 510 euros en comprimant au maximum les charges. Voilà. Merci. Merci Damien. Vous avez. Vous rendez bien compte que les minutes en Haute-Marne sont très longues. Et donc je passe la parole au dernier agriculteur, Alexandre Dormois. Bonjour à tous. Donc moi, Alexandre Dormois, je suis un agriculteur à Danzoire, sur 180 hectares. On pratique l'agriculture de conservation depuis 10 ans. Et on passe une étape là, donc j'ai passé les 180 hectares en bio, dans l'objectif de continuer l'agriculture de conservation. Ce qui m'y a amené, c'est que j'avais plus de besoin en termes de chimie, mais le seul intrant, c'était l'azote. Je pars en bio pour la totalité de la surface. Cependant, pour moi, c'était concevable qu'avec la valorisation de la filière en bio. Donc, il y a 10 ans, j'avais monté avec 3 collègues un magasin de vente directe de viande. Et aujourd'hui, je fais la même chose avec des collègues céréaliers où on monte une unité de triage qui s'appelle Biotop, de triage, séchage, collecte, conditionnement, décorticage et stockage de graines bio. Donc c'est une unité qui va permettre d'aller un peu plus loin sur l'agriculture conservation en bio, c'est-à-dire que pour valoriser tous les mélanges en alimentation humaine, c'est une unité qui nous permettra de séparer 4 produits en alimentation humaine et qui vont nous amener à créer des vraies valeurs ajoutées. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de cultures impossibles, telles que le chia, le quinoa, des choses comme ça, où on est obligé de les trier, de les valoriser jusqu'au bout. Sans une unité comme ça, on ne peut pas le faire. On a fait le choix de le faire en collectif avec 4 agriculteurs. L'objectif, il est d'aller du champ à l'assiette en minimisant le plus possible d'intermédiaires et en laissant le plus possible de valeur ajoutée chez les agriculteurs. Donc l'unité, elle est faite pour nous, mais également elle est faite pour accueillir d'autres agriculteurs qui veulent aller en bio pour démélanger ou pour valoriser en alimentation humaine le plus possible de produits. Voilà, je fais court. Hein, parce que. Merci Alexandre, c'est exceptionnel pour lui. Je vais terminer par prendre la parole du dernier agriculteur, puisque vous avez vu que les 3 mousquetaires ici présents, normalement il y avait un 4e, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Ce dernier agriculteur, c'est Thierry Lahaye, membre de la SAS Agrifil, membre du GI2E APAB également. 3 objectifs à ce collectif. Le premier, c'est de comprimer au maximum les charges de mécanisation, parce que vous avez pu comprendre au cours de notre présentation. Nous ne sommes pas sur des secteurs à haut potentiel. Les 100 quintaux chez nous, ça se fait sur 2 hectares ou 2 hectares et demi. Donc, il faut qu'on comprime les charges au maximum. Charges opérationnelles, on a à peu près fait le tour du sujet. Il nous reste le gros dossier des charges de mécanisation. Donc, Thierry Lahaye s'est regroupé avec 2 autres exploitations. Ils ont vendu les 3 moissonneuses, ils en ont racheté 2. Ils mutualisent au maximum le matériel. C'est également la première unité de méthanisation à injection directe sur le département. Quand je vous parlais tout à l'heure de capter l'énergie au champ pour la ramener en ville, c'est à eux que je faisais allusion. La méthanisation, le système de méthanisation, même s'il peut être aujourd'hui décrié, pas autant que le glyphosate, mais de plus en plus quand même par le reste de la société, permet à l'exploitation de réduire fortement les IFT, puisque d'une rotation classique colza blé orge d'hiver à une rotation typée méthanisation, c'est-à-dire en introduisant un seigle qui est semé très tôt, fin août, puis en faisant suivre ce seigle d'un maïs grain ou d'un soja ou d'un sorgho suivant le potentiel des sols. Pardon. Derrière, on remet une 2e culture d'été
suivant là aussi le potentiel des sols. Donc vous comprenez bien que c'est dans les sols les plus profonds. Ici, à l'exemple, un soja, on fait suivre un orge d'hiver et la boucle est bouclée. Économie en herbicides, en IFT herbicides, de 57%. Aujourd'hui, ces exploitations-là se posent aussi la question de développer une partie de leur surface en agriculture biologique, puisque pour que du bio soit productif, il faut qu'on puisse apporter de l'azote également sur ces cultures-là, sur ce système-là. Et aujourd'hui, l'azote en bio, si elle n'est pas produite par les animaux, elle est très chère à acheter sur le marché. Voilà, pour ne pas prendre trop de retard et ne pas vous emmener jusqu'à la nuit, je vais conclure mon intervention, remercier les agriculteurs. Et un dernier message, parce que quand on vient à Paris, on n'y vient pas souvent. En général, c'est la semaine du salon. Et on profite toujours de notre présence à Paris pour, quelque part, interpeller. J'interpelle aujourd'hui les personnes qui ont une certaine action dans certaines instances décisionnaires. Il est plus que temps, aujourd'hui, de réfléchir, de redéfinir et de soutenir une nouvelle politique, une nouvelle PAC, une nouvelle politique ambitieuse du carbone. Je vous remercie. Restez là, restez là. De façon exceptionnelle, nous avons du temps d'avance qui n'arrive jamais normalement dans ce genre de... Mais je pense qu'on peut remercier le... Non, c'est pas ce que je voulais dire. On peut remercier le Brésil tout entier d'avoir fait suffisamment vite. Non, il y a une question qui était posée par tweet et que je voulais vous poser. Moi, je me souviens d'avoir visité des gens en conservation des sols dans le Cambrésis et qu'ils n'avaient aucun problème avec les campagnols parce qu'ils s'étaient arrangés avec les chasseurs pour qu'ils arrêtent d'emmerder les renards. Derrière cette question, est-ce que la solution, c'est pas, enfin, est-ce qu'une des solutions, c'est pas de favoriser la pose des rapaces, c'est pas de favoriser les renards? Est-ce que c'est possible partout? Est-ce que vous travaillez avec la Fédération de chasse sur cet aspect-là et les naturalistes? C'est possible en théorie, hein, sauf que personne ne cultive en théorie. Bien évidemment, on connaît les prédateurs naturels des campagnols. On connaît aussi l'importance de l'organisation paysagère, les haies, les bosquets, etc. Chez nous, en Haute-Marne, on est quand même sur des secteurs où on a des grandes plaines ouvertes. Les campagnols ont des cycles. Tant qu'il y a des prédateurs naturels, le cycle est maintenu à une pression faible. Sauf que quand la prédation naturelle tombe elle aussi malade, les campagnols se développent. Donc les renards, on en a. Ces animaux-là, eux aussi, tombent malades. Et quand ça tombe malade, on est face à une population de campagnols, donc hors de question de replanter des perchoirs dans les champs, même si l'agroforesterie est très intéressante. Le moyen qu'on a trouvé le plus efficace aujourd'hui, c'est malheureusement le travail du sol. Bien. Le digestat de méthanisation, existe-t-il des études sur sa valeur ou leurs valeurs agronomiques? Deuxième question de la salle. Leur valeur, je n'ai pas compris. Agronomique. Alors, il y a effectivement des analyses agronomiques sur la valeur des digestats. Les valeurs NPK, magnésie, etc. sont bien connues. C'est des produits qui sont quelque peu décriés par certains, notamment au niveau de l'impact sur les vers de terre de ce genre de produits. Pour suivre l'exploitation que je viens de vous présenter à la fin de mon intervention, on regarde les vers de terre dans les parcelles qui reçoivent du digestat, il y a toujours autant de vers de terre. Alors, c'est comme dans tout acte de production, dans tout acte de consommation, ce qui est dangereux, c'est l'excès. Si c'est suffisamment bien raisonné, pour l'instant, ça passe relativement bien. Attention, je n'ai pas la prétention non plus de remplacer le monde de la recherche. C'est des observations à notre modeste niveau que sont les parcelles de ces agriculteurs-là. Y a-t-il une dernière question dans la salle? On a 3 minutes. Je prends la première main qui se lève. Oui, non, non, oui. Oui. Alain. Puisque tu m'as cherché, tu vas me trouver. Il t'a un peu cherché, oui. Ce n'est pas une question. Puisque tu m'as cherché et que vous êtes dans des plaines ouvertes, du coup, j'avais les plantes des haies champêtres à faire gagner, qui est un plaidoyer incroyable pour l'agroforesterie. Les plaines ouvertes, les campagnols, la biodiversité. En plus, vous venez de loin.
En plus, vous savez mutualiser. Et en plus, on a bien vu que le sommaire était déjà bien étayé. Donc, je vous montre le modèle pour écrire le bouquin. Il n'y a pas de problème. Vous prenez le modèle, vous prenez la maquette et vous écrivez la suite. À bientôt. Merci. Et si vous nous réinvitez dans 10 ans aux prochaines rencontres internationales de l'agriculture du vivant, peut-être qu'on pourra vous faire gagner notre livre. Bravo.